Je t'avoue que je me suis mis des petites bandes noires sur les yeux. Comment t'as fait ça? Eh bah écoute, il était sur mon téléphone. Ouais, c'est bon, on n'en dit pas plus. Non, comment t'as fait ça? Dis-moi en plus. Après que t'as fait le truc sur le téléphone là, ouais. Pour épurer, eh bah j'ai fait pareil. Enfin, j'ai pas fait pareil, mais tu vois sur le téléphone, t'as une petite touche effondre. Je vais au phare et j'envoie la position à gauche, c'est ça? Exactement. Allez. Oui. Mettez-vous derrière monsieur, retire tes lunettes, s'il te plaît, Parkinson. Non, je lui dis d'aller jusqu'au phare et une fois qu'il est au phare, je lui dis d'aller de venir à la nage. Oui. Ah, voilà, ok, très bien. Mais moi, je reste pas au phare. Je reviens vers vous. Non, tu restes là. Messieurs, ça va être un interrogatoire. Il va peut-être y avoir des doigts qui vont sauter. Sortez vos armes au cas où. Si jamais il y a réticent ou autre, ça peut être pas mal. Mais ne tirez pas, évidemment. Sauf si on vous ordonne de faire quelque chose. Ça marche? Bien reçu. On va lui montrer c'est quoi les rainbows. En tout c'est cas, qui avait faim? Très bien, vos coupes de cheveux. C'était moi. Tiens. Ouais, toujours faim? Pas ouf, Lumas. Ouais, celle-là, viens voir. Ah, putain. Non, mais. Cadeau. Merci, putain. C'est le dernier modèle, c'est F10. Ah, ouais. J'aime bien. Bien, le sujet est en route. Très bien, toi tu te mettras à droite là. Enlève ton masque. Juste ici. Tu le mettras à côté de lui. Ok, donne-moi le couteau. J'ai besoin du couteau moi. Non, c'est okay. Toi tu mettras des patates. Ok, très bien. Mais toi tu le mettras à côté de lui. Ouais, ok, très bien. Il va falloir récupérer l'accent russe. Bon, ça fait froid. Il est peut-être mort, hein. Non, mais parce que. Non, mais je dis ça, je dis rien, ouais, c'est quoi. Pas faux, ouais. Il a peut-être fracassé son crâne pour un rocher. T'oublies pas la question, hein. Et t'as pas posé de question pour son nez. Ah, il y a des putains de cafards. Non. On t'en une au dernier moment. Mais ça imposera dès le début, un coup de pression, ça. Ouais. Le véhicule arrive. Bah, il va devoir mâcher. Je pense que dans une demi-heure, il sera là. S'il meurt pas à noyer, bonne chance à lui. T'oublie pas, par contre, de lui prendre ses moyens de radio, ses armes, tout. Et à poil. Messieurs, sortez tous vos armes, s'il vous plaît. Si jamais il y a le moindre move suspect, si jamais il sort quoi que ce soit, moi, je cours et vous le trouvez. Un putain démental, ce bâtard. Ok. Voilà. Faut le mettre dans mon sandwich après. Évidemment, uniquement s'il y a quelque chose de vraiment suspect. Mmh. Et moi aussi, je cours avant de tirer. Hein. Oui, on est obligé de... Vous comprendrez qu'on court pour notre survie quand même. Oui, j'ai pas resté sur place comme un con. Mais nous, parce qu'on n'a pas d'armes. Mais vous, par contre, vous le trouvez. On vous couvre. Voilà, c'est ça que j'aime entendre. Au pire, je peux recevoir une balle. Pas deux, ça risque d'être embêtant. Quand on a un gilet pare-balle. Allez. Mais j'aimerais le garder neuf. Ouais, mais ça, tu sais que c'est un faux gilet, ça. Ça a été prouvé, hein. C'est du chinois. Ah, d'accord. Le sujet met les pieds dans l'eau. Messieurs, vos couleurs, s'il vous plaît. Yellow. Gold. Pink. Un fuchsia. White. C'est déjà trempé, hein. Ouais, il m'a l'air un petit peu sur les nerfs. T'es un peu sur les nerfs, White. Non, c'est les. Non, ça va. Non, ça va, t'es sûr, ok. Ouais, messieurs, ouais, sur les côtés, White. Ouais. Vous faites vraiment attention, restez bien sur vos gardes. Oui, c'est pour vous ça, vous je reste. Vous serez les premiers à tirer si jamais ça part. Le sujet arrive bientôt sans, sur les côtés. Sans nouveau nom de code, ce sera Black. Garde la radio allumée quand tu le fouilles, s'il te plaît. Très bien. Tu vas me remettre ta radio, ton téléphone et tes armes. Téléphone, radio, armes. On va le refouiller, messieurs. Rainbow couleur, s'il vous plaît. Tu voulais rejoindre un groupe? C'est l'occasion de faire quelque chose. Messieurs, ouais. Moi je suis celui qu'on appelle le ghost. Ok. Bonjour. Baisse les bras. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Ça va le déboucher. Mettez-vous tout nu. Pardon? Mettez-vous tout nu. Complètement. Écharpe, casquette, lunettes. Ici, c'est pas un défilé de mode, dépêche-toi. Tu confirmes ne pas avoir d'armes sur toi, de radio ou tout autre moyen de communication? Non, j'ai tout donné à Manu. Très bien. Je vais t'expliquer quelques règles et la personne à ma droite va te poser des questions. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Tu auras 5 secondes pour répondre à chaque question. Tu auras 5 secondes pour commencer ta phrase. Si tu mets trop de temps, dis-nous la main que tu utilises le moins. La main gauche. La main gauche, très bien. Tu as combien de doigts sur cette main gauche? 5. 5 doigts. Tu auras donc 5 chances. Est-ce que tu comprends? Ouais. Si une réponse ne nous plaît pas, tu perds une chance. Et donc, tu perds un doigt. Est-ce que tu comprends? Ouais, je comprends. En venant ici, tu auras que 2 solutions. Soit tu intègres le groupe, soit tu resteras ici toute ta vie, mort. Est-ce que tu comprends? Ouais, c'est très clair. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Tu es sûr de ne pas vouloir faire machine arrière? Non. Très bien. Emmanuel. Si. Mets-lui un coup, s'il te plaît. Ah! Il fait un peu froid. Tu comprends qu'on essaye de prendre soin de toi. Est-ce que tu comprends? Ouais, ouais. Très bien. Je vais répéter une dernière fois les règles cruciales pour cet entretien. Tu as 5 secondes pour commencer ta réponse. Si une réponse ne nous plaît pas, tu perds un doigt. Si tu n'as plus de chance, ou si ton entretien se passe très mal, tu es mort. C'est bon pour toi? C'est compris. Très bien. Monsieur Poison, je vous laisse commencer. Bien. Que connais-tu de Rainbow? C'est quoi Rainbow? Pourquoi tu veux rejoindre Rainbow? Je connais pas Rainbow. Hmm.
Attends, va falloir que je t'explique un truc. Comment tu t'appelles? Bjorn. Très bien. Es-tu sûr de ne pas connaître Rimbo? Ouais. Tu es sûr? Tout à fait sûr. Emmanuel, mets-lui un coup s'il te plaît. Ah! Je crois que tu n'as pas l'air de comprendre. Remets-toi en face, dépêche-toi, j'ai pas le temps. On va reposer les questions dès le début. Monsieur Poison, c'est à vous. Que connais-tu de Rimbo? Je connais pas Rimbo. Tu es sûr? Ouais. Pourquoi tu veux rejoindre Rimbo? Je connais pas Rimbo. Pourquoi tu veux rejoindre le groupe? Je suis tout seul en ville. Oh, pauvre petit ourson. Tu es tout seul et tu veux rejoindre un groupe? Tu crois que ça se passe comme ça en Amérique, hein? Tu crois que la réponse est suffisante? Repose une autre fois la question, je crois qu'un doigt va sauter. Pourquoi tu veux rejoindre Rimbo? Je suis tout seul en ville. Quatre mots. Quatre mots, il n'y en a pas cinq, pas cinq doigts. Quatre mots, quatre doigts en restant, non? La sécurité. La sécurité? Mais en répondant, tu comptes nous faire des phrases ou tu comptes faire un slam? Qu'est-ce que vous voulez savoir? La pourquoi tu veux rejoindre Rimbo? Pourquoi tu veux rejoindre un groupe? Dépêche-toi! Tout seul en ville et je me sens pas à l'abri tout seul. Ah, on va commencer à y arriver. On va commencer à y arriver. Très bien. Troisième question. Qui connais-tu, cher Rimbo? Je connais une personne. Très bien. Dis-nous maintenant, s'il te plaît. La personne à ma gauche. Très bien. Comment s'appelle-t-elle? Manuel Racal. Très bien. Comment tu l'as connue? Il m'a contacté suite à une course que j'ai faite, que j'ai remportée. Très bien. Quelques détails, dépêche-toi. C'est une course qui a été organisée par le Mermaid Event. J'ai remporté la course et suite à ça, il m'a contacté pour faire un petit tour en voiture. Très bien. Cinquième question. Qu'espères-tu en rejoignant? Profit, la sécurité et... Profit. Mais tu crois quoi? Tu crois qu'on est qui, nous? Tu crois qu'on veut se payer des cadeaux de Noël? Tu crois qu'on veut se payer des cadeaux? Non, j'ai pas dit ça. Très bien. Donne-moi d'autres raisons avant que je m'énerve et que tu perdes un doigt. Ça a l'air bien organisé. Très bien. Un peu militairement. Très bien. Ça m'intéresse. Et ça te plaît, le militaire? Ouais. Donc ça te plaît, le coup de pression que tu manges? Ça va. D'accord. J'aime bien. Question suivante. C'est quoi tes qualités? Je suis un très bon tireur. Je pilote pas trop mal. Je suis pas mal en combat. Dis-nous tes défauts. Je suis pas trop là. Tu sais pas trop, tu as pas de défaut. Je te crois parfait. Tu es l'homme parfait, c'est ça? Non, non. Tu veux peut-être la place du calife à la place du calife, dis-nous. Non, dis-nous, je veux la place de personne. Poison, je crois qu'il veut ta place. Il a l'air parfait, cet homme. Il veut ma place. J'ai pas il dit veut ça. Ma place. Tu vas nous dire tes défauts, s'il te plaît. Cette petite merde veut ma place, hein. Tu vas nous dire tes défauts, tu perds un doigt très vite. C'est quoi tes défauts? Dépêche-toi. Je suis un peu naïf. Ah, tu vois quand on veut. Ça commence, regarde. Voilà, j'aime quand tu dis comme ça. Allez, un deuxième défaut, trouve-toi un défaut très vite. J'aime bien manger italien. En quoi c'est un défaut, ça? Je fous de ma gueule. Ah, te fous de ma gueule, toi. Poison, coupe-lui un doigt. Ça va lui rafraîchir. Coupe-lui un doigt. Alors, la main gauche. White, mets-toi en place, s'il te plaît. Fais attention. On va te couper un doigt, tu n'as pas l'air d'avoir compris. Tu vas souffrir et tu ne récupéreras pas le doigt. Allez, reviens par ici, dépêche-toi. Comment ça se fait que ton doigt est arrivé avant toi? Réponds. Je sais pas, parce que c'est lui qui l'a transporté. Très bien, très bien. Tu vois, tu commences à comprendre les questions. Maintenant, s'il te plaît, trouve-toi un autre défaut très vite. Et te fous pas de notre gueule. Ça fait plus de 5 secondes, Emmanuel. Ça fait plus de 5 secondes. J'en ai pas. T'en allez, pas. Dépêche-toi, t'es venu là pour quoi? Pour chercher tes mots, pour rentrer dans un groupe, putain de merde. Mets-lui une tu t'attendais à quoi? Mets-lui une droite. Putain! Remets-toi en face de nous. Toi, un seul défaut, tu es naïf. Arrête un peu tes conneries. Dis-moi un autre défaut très vite. Pourquoi t'as fini en taule l'autre fois? Fais une connerie. C'était quoi ta connerie? Je suis pas allé assez vite. T'as été gourmand, imbécile. C'est ça ton défaut, putain. Comment ça se fait qu'Emmanuel te dit tes défauts? Explique un peu. Il est au courant. Ah, il est au courant. Et tu peux pas le dire avant lui, hein? Tu as cru qu'Emmanuel était ta mère. Il va falloir que tu prennes de meilleures initiatives et que tu répondes plus honnêtement. Tu as quel âge déjà? 29 ans. À 29 ans, t'es pas foutu de savoir tes défauts. Passons à la huitième question, s'il te plaît, Poison. Bien sûr. Tu te vois où, dans 5 ans? Je sais pas. Partie de ce groupe. Très bien! Tu commences à me plaire. Très bien. Bon point, déjà. Question suivante. À qui tu tiens le plus dans cette ville? Personne. Je suis personne dans... de cette ville que je connais très bien. Cette question me taquine. Si tu es vivant dans 5 ans, ça veut dire que tu as rejoint Rimbo parce que tu as réussi ta journée, vrai ou faux? Ouais. On va te reposer la question, réfléchis bien. À qui tu tiens le plus dans cette ville? Si je suis toujours là dans 5 ans, bah Rimbo. Très bien, tu commences à me plaire. Tu vois, quand on réfléchit, ça va tout de suite plus vite. Question suivante. Mais c'est la dernière fois que quelqu'un va t'aider pour une question. Tu vois ce mur à ta droite? Ouais. Si ce mur, il était en brique, et que t'étais une brique, tu serais où sur le mur? Tout en bas. Très bien, pourquoi? Parce que c'est là qu'on commence.
Très bien. Cette réponse ne me plaît pas. Emmanuel, mets-lui un coup. Imbécile. Notre objectif, c'est pas d'être en bas. Notre objectif, c'est d'être en haut. On n'a personne à avoir sur les épaules. Nous sommes le sommet, tu comprends ou pas? Oui. Nous sommes au-dessus de tout le monde. Est-ce que tu comprends? Quand bien même tu serais en bas, c'est pour soutenir la rainbow. Est-ce que tu comprends? C'est compris. Tu avais deux possibilités de répondre. Tu as pris un coup, la prochaine fois, tu prends un doigt. Tu comprends? Oui. Très bien. Question suivante. Qu'es-tu prêt à faire pour le groupe? Ce qu'il faut. C'est-à-dire? Comme l'a dit votre collègue. En haut. Mon collègue en haut, comme il l'a dit. C'est qui mon collègue en haut? À votre gauche. Et qu'est-ce qu'il a dit, mon collègue? Il a dit que Rainbow se plaçait en haut. Il fallait tout faire pour être en haut. Très bien. La réponse me va. Tu n'as donc aucune limite? Non. C'est bien. Question suivante. Où est ta limite dans les actions qui te seraient données? Aucune. Torture, meurtre, assassinat. Pas de problème. Moi, j'ai un problème. Repose la question d'avant, s'il te plaît. Qu'es-tu prêt à faire pour le groupe? Tout. Tout? C'est tout? Réfléchis, s'il te plaît. Tu crois qu'on est un groupe sanguinaire? Tu crois qu'on fait du mal aux gens qui n'ont rien fait? Réponds, s'il te plaît. Non, je sais pas ce que vous faites. Alors pourquoi tu dis tout? Tu serais prêt à rejoindre n'importe quel groupe? Pourquoi tu as dit tout? On a un sens moral. On ne fait pas mal aux gens qui ne font pas de mal. Est-ce que tu comprends? Ouais. La prochaine fois, tu perds un doigt. Nous ne sommes pas n'importe qui. Est-ce que tu comprends? Je comprends. On ne fait pas mal aux gens qui n'ont rien demandé. On aide les gens qui n'ont rien demandé. On n'est pas des salopes. La prochaine fois, c'est un doigt. Et lui comprendra. Repose ta question juste après, s'il te plaît, Poison. Juste après celle-là? Bien sûr. Où est ta limite dans les actions qui te seraient données? Ce que Rambo décidera. Très bien, tu commences à plaire. Et n'oublie pas une dernière chose, on a un sens moral. Question suivante. Es-tu prêt à exécuter n'importe quel ordre pour le groupe, même si ça revient à abandonner ta famille ou tes seuls enfants en train de mourir? Supposons que t'en aies. J'ai pas d'enfants et ma famille est loin. Supposons que tu en aies. Si Rambo l'a décidé. Abruti, tu comprends pas! Y'a quoi que tu comprends pas dans un sens moral? Coupe-lui un doigt. Tu n'abandonnes pas ton enfant pour un groupe. Tu donneras chair et sang pour ton enfant. Tu comprends ou pas? C'est quoi tes conneries? Tu comprends pas, je te dis juste avant qu'on a un sens moral. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ah, ça va, j'ai pas de famille. On s'en branle. Si tu en as une, tu ne les abandonnes pas. T'iras en enfer pour eux. Tu comprends? Ouais. Et si l'enfer, ça nécessite de retourner contre le groupe et te faire tuer, tu te feras tuer par nous. Tu n'as plus que deux chances. Question suivante. Avant de poser la question, je vais te poser quelque chose avant. Tu préfères mourir maintenant ou continuer? Continue. Très bien. Tu as de la glace, Emmanuel? J'ai tout ce qu'il faut. Très bien. Si demain, Pink se fait enlever et qu'Emmanuel se fait enlever par un autre groupe en même temps, qui iras-tu sauver, sachant qu'un seul ne peut survivre? Emmanuel. Oh, mama, il comprend pas. Il comprend pas cet abruti. Impossible. Pourquoi tu sauverais Emmanuel? Parce que c'est le seul que je connais, oui. Tu ne choisis pas qui sauver dans la Rainbow, par amitié. Si tu as plus de liens avec un tel, tant mieux, mais on s'en branle. Tu vas sauver la personne qui te mettra le moins en danger. Est-ce que tu comprends? Tu préfères quoi? Qu'on ait deux cadavres sur le corps ou juste un? Un seul. Va falloir que tu réfléchisses. Ton cerveau est dans tes doigts ou quoi? C'est peut-être l'une des dernières aides qu'on va t'apporter. Essaye de mémoriser tout ce qu'on te dit, s'il te plaît. Il te reste deux doigts, ce serait dommage. Question suivante. Si maintenant, Emmanuel se fait enlever et que le chef de la Rainbow se fait aussi enlever, qui t'ira sauver encore une fois? Sachant qu'un seul ne survivra encore. Celui que je peux sauver le plus facilement. Voilà! Tout comprend! Incroyable! Eh ben, félicitations, j'ai limite envie de t'applaudir. Je vais être très franc avec toi. Je savais que tu n'allais pas bien répondre à toutes les questions. Mais là, ça commence à devenir critique. Il te reste une seule chance. Et après cette chance, tu finis au fond de la mer. Il va vraiment falloir que tu fasses des efforts, s'il te plaît. Je te le demande pour Emmanuel, parce que tu le déçois. Et je pense pas que ça l'amuse d'avoir tous tes doigts. Est-ce que tu comprends? Ouais. Très bien. Question suivante. Pris en otage par un autre groupe, il te torture, menace ta vie et te pose des questions sur nous. Que fais-tu? Je connais pas Rainbow. Très bien. Je vais appuyer. Qu'est-ce que tu ferais? Continue. C'est bien de dire je connais pas, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Björn Wolfstadt. Je suis chauffeur de taxi. Quoi d'autre? Ça leur suffit pas comme question. Quoi d'autre? Je m'appelle Björn Wolfstadt. Je suis chauffeur de taxi. Ma. On sait tu as à moitié bien répondu, on sait, tu réponds qu'à moitié, fais un effort, tu fais quoi? Tu fais le malin, tu les dupes, tu comprends? Tu les mets sur de mauvaises pistes, est-ce que tu comprends? Ouais. C'est bien d'être abruti et de dire je suis chauffeur de taxi, mais ils s'en branlent, tu vas être poussé à bout, tu vas être poussé dans tes moindres retranchements, tu les dupes, tu es malin, quand tu es Rainbow, tu es malin, tu comprends ou pas? Tu mens, tu sauves ta vie.
Question suivante. Bien sûr, là, tu as donné qu'une moitié bonne réponse. Si la prochaine, c'est aussi une moitié bonne réponse, c'est le doigt qui part. Tu as compris? Ouais. C'est la même personne qui t'a enlevé. Il te force à nous attirer par appel radio ou autre pour nous tendre un piège. Tu fais quoi? J'essaie de leur passer un message. Bien! On réfléchit mieux quand on est au bord de la mort, hein? Ah! Donc tu essayes de nous faire comprendre qu'il y a un piège, on est d'accord? Oui. Très bien, question suivante. Si une personne que tu aimes beaucoup sait que tu es chez Rainbow, sachant que cette personne n'y est pas, es-tu prêt à la battre? Répète la question. Je répète une dernière fois. Si une personne que tu aimes beaucoup sait que tu es chez Rainbow, sachant que cette personne n'y est pas, es-tu prêt à la battre? Oui. Très bien! Eh ben voilà! Pourquoi tu as mis autant de temps pour un seul petit mot? Très bien! Ah, tu vas me dire que t'avais pas compris? Non, c'est à force de me faire frapper. Oui, je comprends bien. Personne n'aime se faire frapper. Mais oublie pas une chose. Quand tu es venu ici, tu savais ce qui t'attendait, vrai ou faux? Non. Non! Je lui ai juste donné un rendez-vous pour une opération. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, dans les premières questions, tu voulais nous rejoindre, vrai ou faux? Oui. Il me semble qu'avant de te poser les questions, je t'ai dit les risques, vrai ou faux? Oui. Tu as accepté les règles, vrai ou faux? Oui. Eh ben donc tu t'y attendais. Écoute, toi de la chance, il n'y a plus de questions. Et s'il en reste qu'une? Ah, tu nous caches des surprises, voisin, ça me plaît. Allez, il reste une question, c'est parti. Tu vois Emmanuel faire quelque chose qui plairait pas au groupe. Il n'y a que toi qui l'as vu. Et il te demande de rien dire. Tu fais quoi? L'information. Très bien! Félicitations. Bon, je ne pensais pas que tu allais perdre autant de doigts sur cette histoire. Est-ce que tu es content? Perdre mes doigts, non. Mais est-ce que tu es content d'être encore vivant? Oui. Très bien. Poison, d'après toi, est-ce qu'il peut nous rejoindre officiellement? Quatre doigts, putain d'imbécile. Très bien, on va faire simple, regarde. Emmanuel, t'en penses quoi? J'en pense que c'est un homme de terrain, un homme d'action, c'est pas un homme pour discuter. Il a rien compris à ce qu'on lui a demandé, mais il comprendra très bien les ordres qu'on lui donnera. Les ordres, il comprendra. Les ordres, il les comprendra. Depuis que je travaille avec lui, il n'y a pas de surprise là-dessus. Ok. Yellow. Pour moi, c'est bon. Gold. Pareil. Fouchien. C'est bon. White. C'est bon. Boss. C'est bon. Je suis un peu réticent, un petit peu dégoûté qu'il ait perdu autant de doigts, ce con. Oui, mais c'est pour ça que il peut nous rejoindre officiellement. Mais à la moindre erreur, il finit au fond de la mer. Tu m'as compris? J'ai compris. Maintenant, laisse-moi te dire un truc, si je peux me permettre. Nous allons tous retirer notre masque. On se connaît tous. On connaît nos visages et nos identités. On va te redonner un doigt. C'est plus pratique. Tu te dépêches d'aller à l'hôpital. Tu dis que tu as eu un accident. Peu importe, tu vas t'en sortir. Je te fais confiance. Maintenant, nous sommes prêts à tout faire pour toi. Une fois que tu es parmi nous, tu es comme dans le groupe. Tu es un rainbow. Poison va te donner une couleur. Une fois à la radio, tu parles et tu te présentes avec cette couleur. Si on est démasqué, tu peux nous appeler normalement, comme tout civil. Mais ne dis surtout pas ni ta couleur, ni une autre couleur. Est-ce que tu comprends? C'est compris. Très bien. En rejoignant Rainbow, tu acceptes une dernière chose. La moindre trahison, suspicion ou autre, tu es mort. Est-ce que tu comprends? Oui. Très bien. Tu as donc rejoint le groupe. Tu fais officiellement partie des Rainbow. Messieurs, s'il vous plaît, enlevez tous vos masques. Maintenant, il va falloir comprendre un dernier truc. La personne à ma droite, c'est le chef. Je me fais appeler The Boss, mais c'est pas moi le boss. Tu vas te rhabiller. On va t'emmener dans un lieu sain. Tu vas pas rentrer à la nage. Tu fais partie du groupe. Tu vas te faire notre tenue, d'accord? Tu vas à l'hôpital. Tu te fais recoudre les doigts très rapidement. On va t'en redonner deux. Tu comprendras à tout jamais pourquoi t'as perdu ces deux autres doigts. T'as compris? C'est compris. Très bien. On te communiquera les couleurs. On s'en chargera. Évidemment, tu continues ton boulot de taxi. C'est compris. Très bien. Félicitations à toi et désolé pour tes doigts, mais... Va falloir que tu réfléchisses et oublie jamais ce qu'on s'est dit. Est-ce que c'est noté? C'est noté. Et garde ça dans le coin de ta tête. Ça m'aurait fait plaisir de te planter un couteau dans la gorge actuellement. Donc sois content d'être en vie. Et n'oublie pas qu'il pense ça sérieusement. Sois content d'être en vie. Félicitations de nous avoir rejoints. Et puis je te dis à très vite pour une opération. Et tu peux rejoindre dès que t'es quitté l'hôpital notre radio. Ça marche? Ça marche. Et rappelle-toi, Emmanuel. Oui. Il faut une nouvelle couleur pour blue, white, yellow, dans le doute. Blue et white compromis, yellow, je sais pas. Je voulais communiquer sur le tableau. Bien. Très bien. Allez, dépose-le. Emmanuel, dépose-le en sécurité. Et après, tu vas le chercher. Bien sûr. Je vais être franc avec vous. Je pensais pas qu'il serait à côté de la plaque sur la moitié des questions. Oui, moi non plus. Mais bon, on va dire que c'est fait. Il a l'air un peu con, mais il fera les actions. Il a rejoint officiellement le groupe, donc on le traite comme quelqu'un du groupe. Ça s'il marche. A un problème, on l'aide. S'il a besoin de nous, on l'aide. S'il a des questions ou autres, on l'écoute. C'est noté. Ouais. Et maintenant qu'il est dans le groupe, qui sait d'autres qu'il connaissait dans le groupe en cas où? Moi et White. Très bien. Bon, il est passé limite. Hein. Il est passé limite, va falloir quand même qu'il soit surveillé.
D'accord. Pas parce qu'il est dans le groupe que on peut se méfier de quoi que ce soit. Par contre, la moindre suspicion, Emmanuel devra le tuer. Messieurs, merci à tous d'avoir assisté à cette réunion. J'espère que ça vous a plu. J'espère que pour ceux qui avaient des questions, ça a répondu à certaines de vos questions. Ouais, vous êtes toujours aussi impressionnant, messieurs. On va rentrer, c'est le but. On n'est pas des putains de rigolos. Au bout d'un moment, on n'est pas là pour avoir une association. C'est que tu me fais bander quand t'es dans cette tenue. Merci, putain, je me fais bander moi-même. Et surtout quand t'as un Dimitri. Oh putain, arrête, tu commences à m'exciter. Vous me faites bander, n'est-ce pas ? Messieurs, vous savez, on est sur une île, on peut tous se déshabiller si vous voulez. Ferme-la, commence pas. Tu m'emmènes à une boutique de fringues et on rentre à l'hôtel, enfin de mon côté en tout cas. Ouais, tu t'y attendais ou pas ? Qui perd autant dedans ? Je pensais à 3, pas 4. Eh ben, il va s'en remettre 2. Bon, en tout cas, messieurs, je pense que maintenant il a compris. Il est pas fut-fut, ça c'est évident, mais il a quand même compris. Et t'étais pas trop déçu, Manu ? Non, c'est la vie, hein. Tu pensais qu'il allait répondre mieux ? Non, je savais qu'il allait se chier dessus, c'est un gars d'action, je te dis. Ok. Bon, par contre, Manu, là je te le dis pendant qu'on est dans l'hélico, personne peut nous entendre normalement. Si jamais t'as la moindre suspicion, tu lui mets une balle dans la tête. Sans le moindre doute. Si allez, tu fais une grosse connerie, balle dans la tête. Merci à toi, aussi. Merci d'avoir compris. Ouais, bonne soirée. Et essaye de voir Parkinson, il est là ? Il est là-bas, pour ça. Ok, bah, je lui dirai. Bon, ouais, allez. Allez, c'est bon.